à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Pour cette nouvelle vidéo, je suis actuellement en Australie pour ce retour en 2019 où je vais faire des séries de vidéos. Et aujourd'hui, on va mettre les Australiens donc directement au défi. Je vais faire semblant d'être perdu avec une carte et on va voir en combien de temps les personnes vont venir à mon secours. Voilà, je vais faire semblant d'être perdu, ça va être gros. On va aller dans le centre-ville, surtout vers Martin Place, là où je suis actuellement. Et on va là, ça va être super sympa. Allez, c'est parti. J'essaie d'aller vers les gens directement, je fais semblant d'être perdu. Voilà, je suis bien visible. Bon, je mets le nez sur la carte, là ça va pas être pire. Je pense qu'on va venir me voir là. Non, bon, je vais tenter un contact visuel pour être un peu plus agressif. En fait, les gens me voient très bien, mais concrètement, je vais vous dire en toute transparence, les gens s'en foutent. Voilà. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous démontrer que les Australiens sont très très serviables. J'en suis convaincu. La roue va forcément tourner. À Paris, on pourrait rester des heures, je pense. Alors les amis, ça fait déjà 7 minutes. Personne n'est venu me parler. Voilà, il y a quand même beaucoup de monde sur la place. Est-ce que les Australiens sont si avenants que ça? On a la réponse concrètement en vidéo. Il n'y a aucun trucage dans la vidéo, aucune censure. Voilà, je vais rester environ... Je vise une demi-heure. Yeah, where is the Opera House? Because I think it's here. Yeah. It's straight down that way. Yeah. Okay. Bon, après concrètement 8 minutes, il y a quelqu'un qui est venu me parler et je pense que ça à Paris, ça t'a jamais arrivé. Ok, alors les amis, je vais être transparent avec vous. J'ai attendu après 7-8 minutes et il y a une femme qui est venue me parler. Elle m'a expliqué qu'en fait c'était très super touchant. Il y a eu deux personnes qui sont décédées à cause chocolaterie Lindt. Deux personnes qui est morte. Elle m'a parlé pendant 10 minutes et ça, je pense qu'en France, franchement, faut être réaliste. Je pense que les gens ont pris énormément de temps à vous expliquer les petits trucs. Enfin, je trouve ça énorme. Voilà, le bilan est extrêmement positif. Je vais continuer l'aventure. Oui, c'est par là, je pense. You're right, mate. You lost? Oh, yeah, I'm lost, yeah. Where do you want to go? I'm looking for the Opera House because I was there. Get it. No, it's not there? Yeah, down that street. Keep going. Okay. Yeah, keep going. Head that way. The left. Where are you going? Opera House. Wow, yeah, left. Just left. Oh, thank you very much. Just thank you. Keep going that way. Thank you, mate. Thank you. Right, thank you. Ok, deuxième personne qui est venue me parler là en l'espace de même pas une minute, j'étais super bluffé, super sympa. Voilà, 18 minutes, deux personnes, c'est super sympa, franchement là c'est incroyable. Honnêtement, c'est pas à Paris, en étant vrai parisien, c'est pas à Paris qu'on ferait ça. Allez, on y croit. Allez, les deux là, j'y crois. Ils ont une bonne tête les Australiens là, ils vont s'arrêter. Oh yeah, where is the Bondi Beach? Bondi Beach? Yeah, yeah, okay. We'll go to the beach. Gotta go to the train. The beach? The beach? Yeah, yeah, the train, yeah. The train's up there, right? Yeah. So you get on the train. Yes. And you go to Bondi Junction. Yes. Get off at Bondi Junction, catch a bus down to the beach. So he's not far away, yeah? 40 minutes, 45 minutes. Ok les amis, troisième personne en l'espace de 20 minutes. Là, les gens sont très rapides. Je suis super étonné. J'ai bien la confirmation. Je me confirme à eux-mêmes et je me confirme à vous que les Australiens sont super serviables. Alors on va tenter les trois jeunes. Voilà, il faut... On va dire, j'ai l'impression que les gens un peu plus âgés sont beaucoup plus serviables. Alors là, j'ai repéré deux femmes qui arrivent dans 2 minutes. Celle qui arrive derrière, à ma droite.
Elle a l'air chaude. Je vais la coincer, on va voir si elle va s'arrêter devant moi. Rien à foutre. Alors là, je suis super donné. You need some help? Yeah, I need some Where help. Are you trying yeah. to go to? I'm going to the beach. To the beach? Yeah, Manly Beach. So you need to get a bus? Yeah. Ok, quatrième personne en 25 minutes, ce qui est pas trop mal parce que des fois je passe un peu de temps aussi à parler aux gens. Allez, on est chaud là. Cinquième personne en 30 minutes, c'était le challenge. Donc là les amis, j'ai eu 4 arrêts en 25 minutes, sachant que j'ai parlé beaucoup avec la première femme. On va voir si les gens s'arrêtent encore. Voilà, je fais semblant d'être perdu, c'est parti, c'est gros, comme un poisson dans la mer. Ah lui, je le sens bien lui. Tu le vois à la tête, simplement. Il a une bonne tête. Il est bien chargé en alcool, je pense. Il va m'indiquer la bonne direction, lui, je pense. Est-ce qu'il va s'arrêter? Il est en train de bugger, je pense. Non? De toute façon, je pense qu'il sait pas où il va tellement il est bourré. C'est ça la question. Street. Sorry? Jardiers Street. I'm lost. I'm looking for the beach. Yeah? The beach. Yeah. You know where is the beach? No. You don't know? I have just 5% battery. What are this? Where you want to go? Ground floor. To go here. Thank you. D'accord. Alors les amis, le mec là il est perdu. Donc moi je lui ai trouvé le chemin. C'est du n'importe quoi. Alors les amis, j'en suis environ à 30 minutes, j'ai eu 4 ou 5 personnes qui sont arrêtées et là j'ai 2 personnes qui m'ont demandé leur chemin alors que je demandais moi-même mon chemin et par contre ils n'ont pas pu me renseigner, voilà. Enfin, j'ai pas pu vraiment les renseigner, enfin c'est n'importe quoi. Donc en fait quand t'es perdu, t'attires aussi les gens qui sont perdus. Yeah, I want to go to the beach. The beach? Oh no, you have to ask them. Oh, yeah. Okay. Yeah, go up to go up here. Yeah, yeah. Go up 2 streets. Yeah. And up and, okay. And you find Elizabeth Street. Ah, thank you, mate. Okay. Yeah, go there. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Et voilà les amis, la première vidéo est terminée. Et franchement, le bilan est super bon. Vous l'avez vu concrètement. Qu'en fait les Australiens ils prennent vraiment le temps de s'arrêter, ils prennent le temps de vous expliquer. J'ai même pu discuter carrément avec une locale pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, bref. Vraiment un exemple sur Terre, le temps de prendre vraiment le temps, ça c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner, il y a mon Instagram juste en bas de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis!